Yo les amis, c'est Kexo, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un Shifumi Draft. Vous l'auriez vu, je suis pas tout seul, je suis accompagné de lui. C'est un pote IRL, donc j'espère que vous allez péter la barre de like rien que pour ça. Les gars, objectif de like, 80 likes pour cette vidéo les gars. Donc c'est quoi un Shifumi Draft? Bah je sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau concept de draft. Donc on va vous expliquer le plus clairement possible ce que c'est qu'un Shifumi draft. Comment on peut expliquer ça? En gros les gars, le but c'est de faire un Shifumi. Par exemple, hop, Shifumi, hop, t'as fait pierre, fait pierre. Ouais c'est moi, hop, donc. Ah non, merde, donc c'est moi qui ai gagné, bref. Et du coup, je choisis la composition. Donc bah voilà. Bon, on refait parce que là c'était un petit peu haché. Ouais. Donc par exemple pour la composition, et ben nous devons faire un Shifumi. Celui qui gagne le Shifumi doit choisir la composition. Par exemple, moi je fais ciseaux, toi ouais. Par exemple, moi je fais ciseaux. Voilà, c'est moi qui a gagné. Du coup, je choisis la composition, ainsi de suite. On va directement commencer par la composition. Allez, c'est parti. Ah, c'est moi. En fait, j'ai que des compositions de merde, en fait, c'est ça le délire. On part sur celle-là. C'est à toi de choisir, mec. Ouais, bon, allez, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, hop, on choisit celle-là. Oh, un Totti. Un Totti, les gars. Ou un Totti, Daniel Vess. Ouloulou. Donc, vu que j'ai choisi la composition, et ben maintenant, et ben c'est lui qui va choisir le joueur. Donc, c'est lui, normalement, qui doit gagner le plus fort joueur entre ces 5 joueurs. Bien évidemment, les gars, il y a un Shifumi qui va se passer. Donc, si c'est moi qui gagne, je dois choisir le plus nul joueur entre ces 5 joueurs. Et si c'est lui qui gagne, il doit choisir le meilleur joueur. Allez, c'est parti. Ah, bâtard. Ah, le bâtard. Bah, bon, du coup, CR7, hein, CR7. Les gars, on va trancher la composition en deux. Par exemple, lui, il prend le côté gauche, moi, le côté droit. Le meilleur, c'est la gauche, hein, bien évidemment. Marine Le Pen, tout ça. Ok, merci. Donc celui qui a le meilleur côté avec le meilleur général, et ben c'est celui qui a gagné. Celui qui perd sur ce concept là, il doit boire une cuillerée. Attention les gars, une cuillerée de ça les gars. Je sais pas, vous allez dire, ouais mais c'est de la merde ça. Les gars, je vous le jure, dedans les gars, il y a le troisième plus fort piment au monde. Donc il faut pas négliger ça les gars. Rien qu'une goutte, et ben vous avez plus de gorge les gars. Là c'est à mon tour de choisir le joueur. On va voir qui on a en BU. En BU nous avons... de la merde. De la merde. Donc, allez, c'est parti. Allez, Griezmann. Putain, ça fait un lien en plus. Ouais, ouais, pour l'instant, c'est toi qui est plutôt pas mal. Pour l'instant. Bon, à toi maintenant. On va voir qui tu as. Ok, c'est de la merde. C'est quoi ça? Shifumi. Allez, le plus nul, c'est qui? Bon, de toute façon, on s'en bat les couilles, on va prendre lui. Hop, maintenant, c'est à moi. Putain, y'a que de la merde. Shifumi. Putain. Maintenant, défenseur gauche pour lui, nous avons... de la merde. Shifumi. 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 Mais putain, Shifumi. Allez. AD, les gars, AD. Moi, putain, y'a Gareth Bale, y'a Gareth Bale. Tu vois, Shifumi. 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 Yes. Non. Oh non. Bon, écoute, tu vas prendre... Oh putain. Putain. Ça s'annonce bien pour moi, ça s'annonce bien. Ah, pour moi pas du tout. Ah, j'aime bien. Bon, défenseur central gauche. Oh putain. Ouais, plutôt. Allez, Shifumi. Allez. C'est ça. Bon, on va prendre lui. C'est à moi de choisir défenseur droit, attention. Putain, même pas Totti. Shifumi. Shifumi. Mais non. Putain. C'est de la merde. Michel. C'est pour toi là, c'est pour toi. Shifumi. Putain. Boom. Yes. Ça c'est bien ça, moi j'aime bien. Moi j'aime pas. Attends. Ah putain, c'est à moi, vivement qu'il y a Totti. Il y a un Totti, il y a un Totti ou pas? Quoi? Yes. Sérieux? Ça veut dire que tu vas boire là. Tu vas prendre cher, mec. Ta gueule. Shifumi. Non. Yes. Oh non, c'est affreux. Oh non. Oh yes. Attends. Non mais laisse tomber, t'as perdu. Bon voilà, donc le côté gauche a plus de général que mon côté droit. Donc c'est lui qui a gagné et du coup c'est moi. Du coup c'est moi qui dois boire le piment. Du coup c'est lui qui a gagné. Donc j'espère que les gars...
J'espère les gars que vous avez aimé le concept. Donc maintenant je dois faire mon gage, c'est de boire le piment. Allez, à tout de suite. Voilà les gars, c'est ça. Attends, je dis si c'est bon. Ouais. Tu remets. Eh mon gars, je te jure sur. Non mais non, sur la vie de ma mère, ça nique de ouf mon gars. Je sais. Non mais sur la vie de ma mère, c'est pire que les trucs de pizza et tout. Eh, tu t'en rends pas compte mon gars, c'est un truc de dingue. Il hésite. Allez. Oh. Les gars, j'ai mangé ça. C'est un piment, mais genre qui est hardcore de ouf. Je te dire bon appétit, bien sûr. Eh, je vous le jure les gars, je suis pas bien là. T'es mal comment je tremble. Parce que je sais que ça nique de ouf, rien que tremper une lèvre. Allez. C'est bien parce que c'est un nouveau concept, les gars. Oh putain, il est con cet enfant, il est con cet enfant. Comment il tremble. Ah sa mère. Ah. Et moi je pleure. Oh il pue la gueule cet enfant. Oh les gars, je vous jure. Mais tu pues la gueule mon gars, c'est dingue. Mais normal putain, t'as vu ce que je bouffe ou quoi? Donc les gars, petit récapitulatif de ce concept. À chaque joueur, on fait un Shifumi avec le partenaire. Celui qui gagne, eh ben évidemment, il choisit le joueur le plus fort. Bien évidemment, il faut que ça soit son tour. Et s'il perd, bah c'est le partenaire qui choisit le plus mauvais joueur pour lui. Celui qui a le côté le plus fort gagne. Et celui qui a le côté le plus faible perd. Logiquement. Ouais bah c'est logique. Bref les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bref les amis, c'était Kekso et Maxime. Ciao tout le monde.